S'il est un domaine, en parlant des arts, où le Congo brille et dont les lettres vont jusqu'au firmament, c'est bien sûr, oui, la littérature. Nul ne peut le contester. 5 ans après sa mort, Paris rend hommage à celui qui dit un jour « Baoba, je suis venu replanter mon être auprès de toi et mêler à tes racines mes racines d'ancêtres. » Tati Lutar n'est plus. Paris a rendu hommage à Tati Lutar. C'était à la Maison de l'Afrique. Je vous propose ici quelques réactions des confrères Rudy Malonga, Liski Hindou, qui ont su réagir, bien sûr, permettez la tautologie, à l'occasion de ces 5 ans d'hommage de Tati Lutar. Jean-Baptiste Tati Lutar est l'un des auteurs qui a porté haut les couleurs de notre littérature. C'est un grand monsieur des lettres, un homme qui fait la fierté du Congo. Et on en est très content d'avoir réuni un certain nombre de compatriotes congolais, d'Africains et d'Européens pour faire revivre Tati Lutar. Donc quel est l'héritage que nous laisse Jean-Baptiste Tati Lutar? Donc en s'approchant de son œuvre, en essayant de lire sa poésie, je trouve qu'il nous laisse deux images. D'abord, Tati Lutar apparaît comme quelqu'un qui a magnifié les autres, qui a rendu hommage aux artistes de son temps, que ce soit des artistes peintres, des musiciens, des écrivains. Et il a magnifié également ceux qui étaient un petit peu dans cette idée de générosité, de partage des autres. Ce n'est pas le père de la tolérance, l'homme qui pleura un jour devant la tombe de Tati Lutar, qui me dira le contraire. Adam, Ozali Vili, Adam, Ozali kaka mwana Kongo.